conseil pour un candidat qui voudrait rejoindre mon équipe, ce serait d'être curieux et proactif et de toujours se tenir au courant des dernières actualités cyber. Qui n'hésite pas à postuler, à nous rejoindre. Qu'Agip présente pas mal de perspectives d'évolution, des possibilités de mobilité, des expériences sur d'autres postes de cybersécurité. Donc sur la durée, il y aura pas mal d'opportunités à saisir. Nous avons aussi le support du management et leur appui pour développer notre expertise avec des formations, avec des participations dans des événements de veille de cybersécurité. Et puis aussi, on est des équipes, des passionnés, avec une bonne ambiance au sein de l'équipe. Des after-work qu'ils organisent, des rencontres, etc. C'est vraiment d'avoir un esprit d'équipe, puisqu'on travaille avec l'ensemble des collaborateurs du groupe Crédit Agricole de manière à délivrer des services, et aussi d'avoir une certaine rigueur, puisqu'on a besoin de suivre les projets de bout en bout et de ne pas passer à côté d'une information. Que tu rejoignes la squad MLOps ou Qu'Agip en général, quel que soit ton domaine d'expertise, il va y avoir des besoins en termes de connaissances techniques. Il y a deux vrais enjeux à mon sens, si je prends un peu de recul. Le premier, c'est l'état d'esprit, avoir un état d'esprit bienveillant. Et le deuxième enjeu, ce serait, je pense, la partie RSE, vraiment avoir une volonté d'aller dans ces sujets autour de l'environnement qui est un sujet très très important au sein du groupe Crédit Agricole et donc de Qu'Agip. D'être motivé et d'être force de proposition.